Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et plus précisément une vidéo pour présenter Aquarius Maker 1.1. Je sais que aujourd'hui j'ai codé la version 1.0. Enfin j'ai commencé la 1.0, je l'ai déjà postée sur la chaîne, j'ai déjà fini. Et là tout à l'heure j'ai fait celle-là, la 1.1. Donc dans la première version il y avait 6 Rus. Là j'en ai mis 14. Donc faut que je trouve Eris, donc ça prend du temps. Donc je vais vous montrer ma petite merveille. Zoom. Je sais que ça a bugué, mais bon. Alors c'est plus une interface toute noire, donc on voit mieux ce qu'on écrit par rapport à la version d'avant. Alors on choisit son virus. On va choisir par exemple. Déjà je vais préparer le gestionnaire des tâches, ce sera mieux, et on va choisir écran qui fond par exemple. Ensuite à propos de, donc comme la dernière fois pour expliquer hein, le nom il vient comme ça, bref. Le nom, vous mettez ce que vous voulez. Je vais mettre virus. Virus tout court. Ensuite, vous choisissez le chemin de destination. Hop, vous choisissez le bureau. Enregistrer. Il apparaît là. Ensuite, vous cliquez sur créer le virus. Barre de chargement. Puis, le virus apparaît. Ensuite, ça remet ça à 0. Ça à 0. On peut lancer le virus. Donc oui, donc ça c'est un des virus. Donc ce que ça fait, c'est que ça fait une partie de l'écran qui commence à fondre, etc. Enfin qui commence à se désintégrer un peu. Oui, qu'il apparaît là. Voilà, et quand on clique, ça l'enlève. C'est pas des virus bien méchants pour l'instant. Ensuite, pour par exemple prendre écran bugué. Mettons hop, on met n'importe quoi, histoire d'aller plus vite. Enregistrer, créer le virus, il apparaît là, on lance, ça tout seul, pour ça, pour faire un curseur comme ça. Ouais, là ça s'est arrêté, normalement ça s'arrête pas, ah oui je sais pourquoi ça s'est, normalement ça va y avoir toujours les images qui vont rester, on va dire. C'est juste parce que je suis les endroits où il y a les fenêtres, en dessous des fenêtres il n'y aura pas les images. Mais ça c'est juste parce qu'il y a comme studio qui sélectionne tout. Alors annuler, oui. Alors supprimer. Non, il est ouvert là. Faut l'enlever, voilà. Fin de tâche. Recommencer. Et là je vous montrerai, c'est ça. Vous mettez c'est ce virus là qui met le curseur comme ça. Vous mettez curseur, vous mettez hop, enregistrer, créer le virus, voilà. Donc il y a déjà ça en photo, et quand vous le lancez ça va directement la mettre au bout de quelques secondes. Donc, voilà, c'est tout. Hop, recommencer. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, hein. Le lien sera dans la description. Si vous avez la version 1.0, quand vous allez la lancer, normalement il va vous proposer de mettre à jour. Donc pas besoin de la retélécharger. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.